Salut, aujourd'hui on se retrouve pour faire ma wishlist de Noël. Donc tout d'abord, je ne fais pas ça pour dire je veux tout ça, donc offrez-moi tout ça. C'est absolument pas le cas, c'est pour donner une idée aux gens. D'ailleurs je vais même pas demander tout ça à ma famille parce qu'il y a beaucoup trop de choses. Et enfin je veux dire, Noël c'est pas non plus que pour les cadeaux. Donc voilà, mais c'est aussi pour vous donner des idées de quoi demander à Noël, enfin... pour montrer ce qui me fait envie en ce moment. Donc il y a peut-être des choses que je vais m'acheter moi-même ou autre, mais donc voilà, c'est pour donner quelques idées. Donc tout d'abord je voudrais deux livres. Alors le premier c'est le nouveau Harry Potter, voilà, et le second c'est le tome 6 de The Mortal Instrument, donc la saga que je suis en train de lire en ce moment, qui est juste trop trop bien. Si vous connaissez pas, allez voir ce que c'est, parce que c'est un film aussi et une série, c'est vraiment juste trop top. Je m'embrouille tellement que c'est top. Sur Asos en ce moment j'arrête pas de regarder les cuissards, parce qu'il y en a des super belles, des grises ou des beiges. Donc franchement c'est... je voudrais trop avoir une paire comme ça, avec ou sans talons, mais pas talons trop hauts ni trop fins ou autre. Mais juste des cuissards super simples. Quelque chose que je commence à collectionner, c'est les figurines pop. Donc moi c'est pas particulier, j'aime bien les Disney, donc j'en ai quelques-unes de Disney, j'ai enfin Game of Thrones, vraiment les figurines que j'aime de mes films en fait. Je me focalise pas que sur quelque chose, celles qui me plaisent le plus tout simplement. Je voudrais aussi une carte du monde, oui vous allez dire comme tout le monde, où on peut mettre des petits pics pour montrer là où on veut aller, là où on est allé, etc. Enfin je trouve ça vraiment sympa, et j'en veux une depuis maintenant près de 2 ans et j'ai toujours pas, donc je me dis pourquoi pas la demander à Noël. Je voudrais le DVD Zootopie de Disney, parce que c'est un film que j'aime énormément et que je n'ai pas en DVD, et c'est vraiment un de mes Disney préférés maintenant, donc il faut que je l'aie en fait, tout simplement. Donc je voudrais aussi une housse pour mon appareil photo, mon petit appareil photo, donc c'est un Canon EOS M10 que j'ai quand je veux faire des photos, quand on part en voyage ou autre, ça m'évite d'avoir mon gros Canon. Par exemple quand on est allé à Rome avec mon copain, j'ai pris le petit, c'est plus facile à transporter, et donc j'ai pas de housse, donc comme il n'y a pas d'écran, enfin l'écran il est réversible. Vous voyez, on peut le mettre en haut mais on peut pas le retourner, donc il suffit qu'il y ait un truc dans le sac qui tape dessus ou autre, il est rayé ou cassé, enfin... Donc voilà, une housse ça éviterait ce genre de choses, surtout que je suis super maladroite. Quelque chose qui me fait envie en ce moment, c'est un nouvel objectif pour mon Canon, donc c'est un 50 mm focale 1.8, donc c'est un objectif qui fait que nous par exemple je suis nette et que tout le derrière en fait c'est flou, donc c'est un super objectif pour faire de superbes photos, et je me dis que ça me motiverait à reprendre un peu les photos que je faisais avant. Et pour finir je voudrais du maquillage, donc ce qui me fait le plus envie ce sont les rouges à lèvres mat liquide, donc j'aimerais bien tester de chez Huda, de chez Anastasia, j'en ai un de Too Faced donc que je porte aujourd'hui, c'est le Drop Dead Diva qui est juste magnifique, mais vraiment j'aimerais en avoir plus, des nudes que je puisse porter au quotidien, parce que je peux pas porter ça comme ça au travail tous les jours, c'est pas trop possible. Voilà, donc les rouges à lèvres liquides, même de chez Cylic, j'en ai vu des vraiment super jolis. Je voudrais aussi tester les Kylie, mais bon, pour se faire livrer en France déjà il faut avoir un compte Chipito, etc, etc, donc c'est un peu une galère. Puis tout le monde dit les frais de douane 30 € à rajouter en plus, donc j'ai pas envie de payer mon rouge à lèvres 100 €, hein, c'est juste pas possible. Et sinon je voudrais aussi des pinceaux, parce que j'ai qu'un set de pinceaux, donc c'est un peu compliqué. Et aussi qu'est-ce que j'ai vu, c'est la palette Anastasia Beverly Hills Glow Kit, celle d'Enlumineur, qui a l'air juste trop belle. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de très gros bisous et à la prochaine vidéo.